En rapport avec la tournée européenne actuelle du chef de l'État, Écho d'Europe revient sur le premier voyage de Félix Tshisekedi en Belgique. C'est à Bruxelles que le président de la République avait exposé en 2019 sa vision globale pour le développement de la RDC. Cette vision se réalise peu à peu avec notamment l'état de siège décrété dans l'est du pays, la baisse des prix des denrées alimentaires, la gratuité de l'enseignement. Merci d'accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, notre armée est déployée en Ituri et dans le nord Kivu principalement, dans le but d'éradiquer complètement toutes ces poches de violence, une violence d'ailleurs inhumaine et gratuite qui est administré injustement sur nos compatriotes vivant dans ces contrées. Tant qu'ils continueront à faire du tort à nos compatriotes, ils me trouveront face à eux. Mon objectif, c'est la paix et je prends le serment ici de ramener la paix totale dans notre pays. Je ne veux pas de la justice faite par le président de la République ou à la présidence de la République. Je ne suis pas un dictateur et je ne veux pas qu'on fasse de moi un dictateur. Dans l'enseignement fondamental, il y a désormais la gratuité. Dans mon programme, j'ai mis au cœur de ma stratégie l'homme congolais. Et donc, tout sera fait pour l'épanouissement de l'homme congolais. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention.